Ben, je m'appelle Eric Castaner, j'ai bientôt 60 ans. J'ai un long parcours. Je viens de Marseille. J'ai fait plein de métiers, le bâtiment, le maraîcher. J'ai découvert Charleroi il y a 8 ans avec le marché provençal, pour les gens qui me verront et qui me reconnaîtront. Et j'ai rencontré ma compagne il y a 2 ans, 3 ans même, sur le marché provençal. Et puis, on a eu un petit garçon. On vient d'ouvrir le Mistral. Le Mistral, c'est un bar à pastis. On a décidé d'ouvrir un café. C'est un bar à pastis parce que, bon, je viens de Marseille. Aujourd'hui, on a 51 sortes de pastis différents. Oui, quand même. Oui, quand même. Et bon, il y en a d'autres qui sont en prévision. Parce qu'il y a au moins, j'en connais au moins une centaine de pastis différents dans toute la France. Et c'est situé à quel endroit dans Charleroi? Ah, on est au 19 Place de la Digue. Oui. Donc, vous pouvez vous garer, vous avez un parking dessous. On a aussi des bières belges, de petites brasseries belges, de vraies bières belges qui sont fabriquées en Belgique par des Belges. Et ça fait longtemps que vous êtes ouvert? On est ouvert le 21 juillet. Ah d'accord, justement pour la fête nationale. Pour la fête nationale belge. Ah ben parfait. Comme ça fera un bel anniversaire. En parlant de Charleroi, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution depuis que L'évolution vous êtes arrivé? de Charleroi, elle est gigantesque. Il y a 8 ans, quand on est venu à Charleroi, de Marseille, on nous a dit, ne va pas à Charleroi, c'est Chicago, hein, puisque. Et en arrivant à Charleroi, on a découvert une ville qui ressemblait pas à Chicago, qui n'était pas très, très, on va dire, reluisante, mais pas plus que Marseille. Aujourd'hui, Charleroi, c'est le Marseille d'il y a 30 ans. On a rive gauche qui donne une nouvelle image de Charleroi. Marseille, ça a été Euroméditerranée et en 30 ans, Marseille est devenue la deuxième ville la plus visitée de France, alors que c'était Chicago en France, de réputation. Et aujourd'hui, eh ben, en 5 ans, la sécurité, la présence de la police, il y a toujours de l'insécurité, parce que c'est quand même la plus grosse ville de Wallonie, donc il y a toujours de l'insécurité. Mais la police est présente. J'ai appris il y a quelque temps qu'il y avait un nouveau peloton de spécial à Charleroi pour avoir une intervention encore plus rapide auprès des carolos. Et comment dire, au niveau de la propreté, il y a un gros gros effort qui a été fait. Aujourd'hui, les politiques ont fait une partie de ce qu'ils devaient faire, et maintenant c'est au carolo à ne plus jeter les mégots par terre, les cornets de frites par terre, les bouteilles de soft par terre. Il n'y a pas assez de poubelles à mon goût, mais il y a quand même des poubelles, donc il faut que les carolos prennent l'habitude de ne pas jeter les choses par terre. Et vous parlez des politiques justement, qu'est-ce que vous voudriez vous dire aux autorités? Autorité, Ouais. je dirais que ben, continuez, parce que même si moi je suis tout petit, donc il y a des choses qui me plaisent, il y en a d'autres qui ne me plaisent pas, mais au moins ça a le mérite d'être fait. Après, c'est à tous les carolos d'aller voir ben, les associations qui font le tampon entre les politiques et les carolos et de donner des idées et de s'impliquer et de faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est aux carolos à faire. Justement, on vous appelle le carolo marseillais, mais qu'est-ce qu'un vrai carolo pour vous? Un vrai carolo, c'est quelqu'un qui pense carolo, qui respire carolo, qui vit carolo et
et qui pense que Carolo, un vrai Carolo, il pense que le Charleroi, c'est la plus belle ville du monde. Moi, je suis un peu chauvin, je dis que c'est la deuxième plus belle ville du monde, juste derrière Marseille. Mais voilà, c'est ça, un vrai Carolo, c'est... Quelqu'un qui est fier de sa ville. Voilà, qui est fier de la ville. Je veux dire, à Marseille, il y a un slogan, c'est fier d'être Marseillais. Il faut que les Carolos soient fiers d'être Carolos, parce que Charleroi, c'est réellement... C'est une architecture... Hein, vous avez compris. C'est une très, très belle ville. Il suffit de se promener dans toutes les rues de Charleroi, même les plus dégradées, de lever les yeux, de ne pas regarder les commerces qui sont fermés, lever les yeux, et il y a des merveilles. Il y a des merveilles. C'est une ville de briques parce qu'elle n'a que 350 ans. Ce n'est pas comme Liège qui est beaucoup plus âgé ou Bruxelles où il y a des belles maisons en pierre. Mais il y a de beaucoup plus belles maisons en briques avec des ornements, avec des céramiques, avec des vitraux. Et c'est magnifique. Il faut juste lever un petit peu les yeux à 3 mètres de hauteur et pas regarder ses chaussures. Et est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure ? Pour conclure, je dirais, venez boire du pastis au Mistral. Et surtout, les Carolos, relevez les manches. Et puis, allez-y, quoi. Il ne suffit pas d'être fier d'être Carolo, il faut être Carolo. À fond. Eh bien, merci Eric Castaner. Et bonne continuation à vous. Merci Louis. À bientôt.